Ladies and gentlemen, boys and girls and children of all ages, Cecil Catch proudly brings to you the Epic Rare Rumble of the Internet. Ça y est, on y est, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour cet épisode spécial hors série sur les créations, sur le mode création et sur le défi qui m'avait été lancé de créer un Royal Rumble avec un maximum de youtubeurs, maximum limité à 25 bien sûr, parce qu'on est dans WWE 2K15 sur console nouvelle génération, mais sur PS4 plus précisément, vous le savez si vous avez l'habitude de suivre ma chaîne. En tout cas, ça me fait très plaisir de réaliser ça, ça a pris beaucoup d'heures de travail. On est parti, on se lance directement dans le vif du sujet en voyant qui arrive donc numéro 1. Oh my god! Oh my fucking god! L'homme sans qui la définition du mot métal ne serait pas la même. Veuillez accueillir l'incroyable, le surréel Bob Lennon. Haha! Bonsoir, je suis Bob Lennon. Imitation totalement ridicule de Sturi. Oh, ça fait plaisir. Il va y avoir du guac pour démarrer cette épique Royal Rumble des internets avec Bob Lennon, qu'on avait déjà trouvé incroyablement bon dans la première vidéo que j'avais fait avec le tag team en équipe avec Fantac contre le joueur du grenier Seb, mais également dans le Money in the Bank Ladder Match où il avait vaillamment monté tout en haut de l'échelle pour faire un putain de splash sur ce bon vieux Antoine Daniel. Ça va être totalement épique, totalement gratuit ce début de Royal Rumble. Et pourtant, le numéro 1, c'est pas un bon numéro 1 pour démarrer Royal Rumble, on le sait. Mais en tout cas, pour mettre le feu, pour mettre l'ambiance, il n'y a que cet homme, il n'y a que Bob Lennon. Allez, on va voir tout de suite qui est le numéro 2. Oh, et ça, c'est la bonne surprise. C'est la bonne surprise d'avoir Squeezie qui débarque directement dans l'Epic Royal Rumble des internets. Ouais, c'est la première fois en plus qu'il fait partie des vidéos. Ça a été un sacré sujet de création, ça je vous le cache pas. Le PewDiePie français, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas PewDiePie, c'est juste le youtubeur qui compte le plus de vues, plus d'abonnés au monde. Il fait des vidéos totalement délirantes sur des jeux vidéo, bien souvent des jeux vidéo indépendants, un humour bien décalé, et puis c'est bon. Il a sa carte de membre, il a 18 ans, il peut participer à cet épique Royal Rumble. Allez, c'est parti, on est parti avec Bob Lennon contre Squeezie. Allez, directement, collier de tête, on projette directement Bob Lennon directement dans le coin et on le ramène ouah, directement avec un flamethrower. Oh, la nouvelle génération va prendre le pas sur le bon vieux Bob Lennon. Haha, totalement métal. Aujourd'hui, avec son beau t-shirt rouge. Mais attention, directement, projection dans les cordes. Porté par le bon vieux Squeezie. Allez, pour déjà projeter. Bon, ça va être déjà la première élimination, ça va aller vite. Oh, Bob Lennon, il va falloir se sortir les doigts du cul pour être totalement wack. Allez, l'élimination est pas passée. Hein, on a failli avoir la première surprise, mais attention. Déjà, le nouvel entrant va arriver pour rejoindre directement les deux premiers participants. Salut bande de salopes. Oui, l'homme sans qui aujourd'hui votre création ne sert rien du tout puisque c'est lui qui nous a fait le tuto directement pour créer, ça c'est un troll de ma part, les tutos de Camille, Jérôme, Miel, la femme Jérôme. Oui, personnage pour lequel je m'étais inspiré pour faire un tutoriel directement pour vous apprendre vous-même à créer des catchers directement dans ce fabuleux mode création de WWE 2K15. N'hésitez pas à voir la vidéo que je vais faire apparaître, clink, clink, hop, ici. Magie du montage. Alors que là, pour l'instant, on se met donc du coup à deux sur Bob Lennon. Squeezie et Camille des tutos se sont déjà directement alliés. Mais bon, il en faudra plus pour vaincre la puissance métal de ce bon vieux Bob Lennon. Et la magnifique chaise électrique portée par Camille directement sur Squeezie. Attention, nouvel arrivant. Oh, la bonne surprise, un spécialiste des jeux de Touquet. Si vous aimez le basket, si vous aimez la NBA, n'hésitez pas à aller voir directement son équipe Let's sur le NBA 2K15 sur Nouvelle Génération. Le bon vieux coach Jordan 23, yep, badaboum, comme il dirait. Salut à tous, coquinous et coquinettes, et coach Jordan en mode barbu, bouffeur de cul. Voilà, ça c'est quelques-unes de ces blagues que je me rapproprie directement parce que je suis un connard. Oh, attention, et Bob Lennon par contre, lui je pense qu'il n'aime pas trop le basket puisqu'il est directement en train de faire la fête à ce bon vieux coach Jordan 23. Alors oui, je précise avant le prochain entrant,
que je ferai donc uniquement du full commentary pour le commentaire, puisque la vidéo a été préalablement enregistrée. Et oui, je préfère vous livrer directement mes secrets de tournage. J'incarnerai quand même mon personnage de Suri qui rentrera aléatoirement plus tard dans le Rumble. Oh, alors que là. L'entrée numéro 5, le monde des jeux de combat ne serait rien sans lui, commentateur principal des événements sur Street Fighter des tournois, Ken Bogart. Oh, ça fait plaisir d'avoir Ken Bogart directement dans cet Epic Royal Rumble, une place totalement méritée, à coup de Hadouken ou de Papa Pseud Colgate, je ne sais pas bien dire, mais c'est pas grave. Bob Lennon par contre il s'en prend directement à Ken Bogart, attention à ne pas te faire piéger par un coup de pied à la chenille. Attention, alors que dans, d'un autre côté, il y a Camille qui essaie d'éliminer Squeezie. Oh, et Code Jarman qui essaie de prêter main forte à Bob Lennon pour éliminer Ken Bogart, mais ce n'est pas suffisant. Attention, projection directement dans le ventre. Ken Bogart durement rabattu, oh le magnifique. Le bras à la volée porté par Bob Lennon. Squeezie qui a un peu de chance, Camille ne s'en occupe plus. Code Jarman qui essaye de son côté d'éliminer directement Bob Lennon. Oh, ça va être épique, ça va être fantastique, ça va être dantesque. Et déjà un nouvel entrant, déjà un nouvel entrant. Incroyable, 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 ça va tellement vite. Mais qui aurait cru un jour en retrouver tout ce beau monde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais what? Mais il est pas mort lui. Oh, Cortex, l'épique clasher des internets de YouTube au début des années 2010, je me semble. Mais il est totalement perdu de vue, Cortex, avec sa super max de monster de test. Il n'y a pas Cyprien encore dans le Rumble, Cortex. Il va falloir peut-être attendre un petit peu. Mais il arrive et il se vote déjà comme une grosse. Attention, c'est, du coup, il s'en prend au pote de. Il s'en prend directement au pote de Cyprien. Il s'en prend il s'en prend directement à Squeezie. Ah, la guerre n'est pas finie. Les clashs sont pas finis encore sur YouTube. Alors que de son côté, sur la gauche, vous pouvez voir Bob Lennon s'en prend directement à Code Jordan. Et Camille portait un magnifique Jawbreaker. Et la mâchoire de Ken Bogart qui a volé directement dans le public. Attention, oh, et Squeezie qui arrive quand même à s'en prendre à Cortex, malgré la grosse différence de gabarit, je pense que tout le monde l'aura noté. Oh, incroyable, Code Jordan 23, premier éliminé. Oh, badaboum, il pourra retourner directement sur le banc de touche. Oh, Bob Lennon qui signe là sa première élimination. Oh, et ben celle-là, je ne l'ai pas vu venir, je ne l'ai pas vu venir. Oh, une super Malenko kick portée par Bob Lennon directement sur Camille. Alors que derrière, on peut voir Squeezie. Squeezie rejoint par Ken Bogart pour éliminer Cortex. Cortex qui aura fait un passage éclair sur YouTube. Attention. Oh, Bob Lennon. Oh, le magnifique baseball slide. Et Camille, les tutos étaient éliminés. Chocolate, sucrète, corde à linge. Je vous aime, putain. À bientôt. Allez, c'est reparti. Boum, clac. Bob Lennon, oh, magnifique Enzugeri, porté par ce bon vieux Squeezie directement sur le bon vieux Bob, alors que Ken Bogart arrive à s'en sortir face à Cortex. J'espère qu'il y aura quelqu'un pour lui prêter main forte prochainement, bon vieux Ken. Attention, alors que c'est pas terminé, Ken Bogart qui est en difficulté, Bob Lennon est en difficulté, non, Bob Lennon s'en sort, Ken Bogart éliminé par Cortex. Oh, la loose. Et Cortex là, qui est bien, qui est frais, qui est seul. Oh, et que trois hommes. Les deux premiers sont toujours là, attention. Oh my god, le petit enfant de Souffle Weyerchem en Alsace qui a réalisé un jour son rêve en commentant les shows de catch de la WWE directement sur RTL, puis NT1, puis toutes les chaînes du groupe AB. Il a commenté WrestleMania 30 en direct depuis la Nouvelle-Orléans. Veuillez accueillir le commentateur préféré des fans de catch, Christophe Ajus. Oh là, le Royal Rumble, l'épique Royal Rumble, va prendre toute une autre tournure. Et tout de suite, Christophe Ajus, boum, badaboum, directement dans ta face de Bob Lennon. Le magnifique coup de pied, la botte directement dans le menton. Oh, et ça lui a pas plu, Bob Lennon qui était revenu directement avec un bon vieux neckbreaker des familles. Alors que Cortex était toujours en train de soulager sa haine de Cyprien directement sur son porteur. Squeezie le prépare là en position. Oh, attention, magnifique, alors qu'il y a un bulldog là-bas. Oh, magnifique, jackknife, powerbomb, porté par Cortex sur ce bon vieux Squeezie. Et Christophe Ajus qui vient aider le bon vieux Squeezie qui réclamait un temps mort. Mais il n'y a pas de temps mort dans le catch, enfin, c'est n'importe quoi. Direction, projection, double projection. Oh, magnifique. Oh, et voilà Mathieu Sauvé. Mathieu Sauvé, le salut les geeks, avec son personnage de fumure de moinge. Oh, ça fait plaisir.
Bah voilà, voilà encore une exclue directement, une exclue totale, encore un nouveau personnage pour arriver directement dans cette épique Royal Rumble des internets. Mathieu Sauvé, l'émission Salut les Geeks que je conseille, on se marre toujours bien avec les vidéos épiques que l'on trouve sur internet, parfaitement mises en scène et commentées par ce bon vieux Mathieu Sauvé. Attention, magnifique, gros Squeezie, Squeezie là qui a repris l'avantage directement sur Cortex. Christophe Ajuste, je pense, un compte à régler avec Bob Lennon, je ne sais pas pourquoi. Attention, directement, projection dans le coin. On a Squeezie sur Cortex. On a Christophe Ajus sur Bob Lennon, en total mode gay homosexuel, comme dirait ce bon vieux Bob. Attention, projection, non, c'est contré. Oh, attention, Christophe Ajus, qui est sur le point d'éliminer Bob Lennon. Oh non, ce serait totalement épique, ce serait totalement méta, si Bob Lennon quittait le Royal Rumble. Oh, Christophe Ajus directement qui élimine ce bon vieux Bob Lennon, qui sait. Eh bah oui, le youtubeur probablement le plus populaire des internets qui débarque directement dans l'Epic Royal Rumble, Cyprien, qui je pense va pas tarder à aller régler ses comptes directement avec ce bon vieux Cortex et qui va probablement prêter main franche à Squeezie. Ouais, attention, c'est parti. Entrée numéro 9, on est bientôt au premier tiers de cette épique Royal Rumble. Mais qu'est-ce qu'il fait Cyprien, j'ai eu, il s'en prend directement à Squeezie. Mais ils étaient pas potes normalement. Oh, alors le magnifique Spinebuster de Christophe Ajus porté sur ce bon vieux Cyprien. Alors que Mathieu Sommet essaye d'éliminer Cortex. Oh là, et ils ont des comptes à régler, Squeezie et Cyprien, j'ai l'impression. Ils ont pas apprécié le fait que l'un prend le t-shirt de l'autre. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de les avoir directement, Squeezie et Cyprien, directement dans le Royal Rumble, parce que eux qui pensaient que les catcheurs se battaient en slip, je vois personne en slip ici. Ils avaient fait en tout cas de la pub qui est sympa pour le jeu WWE 2K15. N'hésitez pas à aller voir leurs vidéos. De toute façon, ce message c'est bon pour faire de la pub à tout le monde. Hein. Je devrais toucher plus de droits pour ça. Et attention, allez, Mathieu Sommet qui se fait rabattre directement dans le coin par Cortex, alors que Squeezie et Cyprien s'en prennent à Christophe Ajus. Hein. Cyprien est pas encore passé voir son bon vieux pote Cortex et qu'il a des comptes à régler. Mais bon, après tout, c'est ça le catch, on n'est pas obligé tout simplement de relancer les storylines vieilles d'il y a 4 ans. Oh, mais attendez. Ouh, l'homme sans qui la critique cinématographique ne serait rien, le fossoyeur de film, malheureusement dépourvu pour l'occasion de sa sainte pelle. Parce que j'avais malheureusement aucune possibilité de créer sa pelle, hein, vous comprendrez bien pourquoi il n'a pas sa pelle. Mais en tout cas, ça fait plaisir, il est là. Si vous voulez avoir un œil différent sur le cinéma d'actualité ou sur le cinéma d'avant, n'hésitez pas à aller consulter directement sa chaîne, moi j'apprends des tonnes de trucs, il est totalement intéressant ce garçon à suivre. J'adore le fossoyeur de film. Allez, c'est parti, le fossoyeur de film directement, qui s'en prend à Cortex, qui le projette. Oh, ça va être quand même tout un client le fossoyeur, parce qu'il est grand, ce monsieur, et il s'en prend directement à Cortex. Allez, alors que de son côté, Cyprien et Squeezie, en mode totalement homo gay sexe. Oh, le magnifique spinning kick directement derrière la nuque de Cyprien. Mathieu Sommet cherche à aller. Bon, il va aller s'en prendre à nouveau à Cortex. Alors que le fossoyeur est désormais sur les guibolles de ce bon vieux Christophe Ajus. Hop, je t'éclate la jambe. Hop, tiens, super coup de poing là-bas de Cyprien. C'est un petit peu le bordel. Hein, c'est le bordel. Voilà, Mathieu Sommet qui est vraiment en contrôle total sur Cortex. Alors que le fossoyeur, je pense, a vraiment des comptes à régler. Oh, magnifique. Reverse STO porté par le fossoyeur. Oh, oh, oh. Et j'ai vu un angle slam porté de Cyprien sur Cortex. Voilà, comme ça, ils auront pu au moins s'en caser un dans la face. Allez. Oh, magnifique. Hurricane Rana porté par Cyprien. Alors que... Ah, Mathieu Sommet qui est en difficulté contre Cortex. Attention, on est peut-être prêt pour une nouvelle élimination. Alors que Christophe Ajus en difficulté. Christophe Ajus en difficulté. Mathieu Sommet qui a fait passer Christophe Ajus. Oh, Christophe Ajus éliminé par le fossoyeur de film. Ah bah c'est pas grave Christophe. En tout cas, on t'aura adoré à WrestleMania 30. T'as un grand copain à moi, Christophe Ajus, donc je lui fais des gros bisous. Et Squeezie éliminé par Cyprien. Oh mon dieu. Oh my god, Cyprien qui va devoir donc rester seul. Ah, Mathieu Sommet qui élimine Cyprien. Ah bah Cyprien et Squeezie, ça y est, c'est fini. Vous pouvez retourner ensemble sur Cyprien Gaming, nous commenter du jeu vidéo. Allez, projection directement. Il reste 3 hommes dans le ring. En tout cas, Cortex et Cyprien n'ont pas pu véritablement découdre, mais Cortex est toujours là, Mathieu Sommet est là, le fossoyeur de film est là, et qui sera le prochain?
qui sera le prochain. Alors que là, oulala, match au sommet. Oulala, match au sommet. Je pense que là, face à deux gaillards qui sont face à toi, tu ne vas pas résister longtemps. Voilà, s'il commence à appuyer avec la jambe, c'est mal barré. S'il commence à... Oh, ça y est. Oh, match au sommet. Oh, match au sommet. Je sens qu'on va dire salut à tous les geeks. Eh non. Oui, il revient. Il revient, match au sommet. Oh, il est bien décidé. Il a une stratégie, je pense, pour remporter cet Epic Royal Rumble des internets. Lui qui nous commente sans cesse des vidéos totalement délirantes. Oh. Et oui, et qui a dit que cet épique Royal Rumble des internets était destiné uniquement aux youtubeurs? Il est également destiné aux catcheurs français qui ont fait le buzz. Catcheurs français en l'occurrence, Sylvester Lefort, Tom Larouflot. Le catcheur français, le premier depuis André le Géant, avoir signé un contrat à la WWE qui avait bien sûr tout à fait sa place dans cet épique Royal Rumble. Allez voir les promos incroyable qu'il a fait NXT avec cet accent français coupé au couteau dans le personnage de Sylvester Lefort. C'est totalement génial, c'est totalement épique. Et oh là là, Sylvester Lefort là qui est donc directement pris à mal par Match au sommet. Alors que Cortex, projeté donc par le Fossoyeur, là qui va éliminer. Oh, il va éliminer Cortex. Oh, je le sens bien parti. Je le sens bien parti pour projeter Cortex par-dessus la troisième corde. Ça va demander un effort sur nous. Oh non, non, Cortex est toujours là. Ah, ah oui! Ah oui! Fantasio, The Fantasio 974, qui m'a fait découvrir Minecraft. Je vais être très sincère avec vous, c'est pour moi un grand plaisir de l'avoir dans cet Epic Royal Rumble des internets, puisque c'est lui qui m'a appris à jouer à Minecraft, hein, à partir de ses épiques tutos pour vous apprendre à bien débuter à Minecraft. Et j'annonce directement que je suivrai avec. J'attendais avec grande impatience la nouvelle saison de The Holy Cube. Parce que je suis un grand amoureux de Minecraft, hein, comme vous auriez peut-être pu le comprendre. Donc ça me fait plaisir d'avoir Fantasio, même si Bob n'est plus là, Fanta. Fanta, tu es seul. Fanta, tu es libre à toi-même pour aller jusqu'au bout et vaincre les 15 derniers participants qui s'amèneront derrière toi. Comme vous voyez, petite magie du montage, vu que la PlayStation vous limite à 15 secondes. Match au sommet. Match au sommet éliminé. Oui, comme je vous disais, vous limitez à 15 minutes. J'ai un petit coupage hein, directement à la vidéo. Ne m'en voulez pas. Ah, c'est lui qui s'est fait éliminer et qui arrive. Oh, aujourd'hui c'est dimanche, comme tous les dimanches. Il y a deux types de jeux vidéo, les jeux vidéo qui parlent de catch et les autres. 36-15 Usul. Si vous voulez une critique très constructive et très intellectuelle du monde du jeu vidéo, n'hésitez pas, cet homme, c'est votre homme. Allez, Usul qui intègre directement le Royal Rumble alors que Fanta élimine Cortex. Cortex éliminé, salut les geeks éliminés. Il nous reste qui? Il nous reste donc Fanta, il nous reste Sylvester Lefort, il nous reste le Fossoyeur, il nous reste Usul. On est à la moitié de cet épique Royal Rumble des internets. Beaucoup de surprises vont encore arriver, je l'espère. Allez, directement, Usul qui projette Fanta par-dessus la troisième course. Ah, Usul, c'est pas un... Je pense pas qu'Usul, c'est un joueur de Minecraft. Hein. Donc, du coup, il s'en prend directement à Fanta. Alors que là, Sylvester Lefort essaye de faire régner son statut de catcher. C'est le seul véritable catcher, en vérité, directement sur ce ring. Le Fossoyeur, par contre, on s'en fout, on est dans un jeu vidéo. Lui, il lui porte une magnifique backdrop. Fanta qui s'en sort face à Usul. Sylvester Lefort. Oh là, qui est projeté. Qui est durement projeté à l'extérieur du ring. Attention, il va falloir s'en sortir. Oh, magnifique jawbreaker porté, Sylvester Lefort est toujours dans la course. Ce n'est pas terminé, le Fossoyeur qui porte des magnifiques coups de poing et qui arrive. Abonne-toi à la chaîne de Panda, laisse un pouce vert si t'es un gars sympa. Si t'es trop swag, tu pars chasser clair. Et si tu redis swag, je dépose un verre. Oh, l'homme sorti, l'Epic Royal Rumble des internets n'aurait pas pu voir le jour puisque c'est lui qui m'avait lancé directement le défi de créer cet Epic Royal Rumble avec les vidéastes d'internet. Le Sat Panda est dans la place, il parle France. Et c'est un fan de catch, le Sat Panda. Hein, t'inquiète pas, je t'ai démasqué, mon cher Panda. Je sais que tu suis Botchamania, je sais que tu suis OSW Review, des très bons choix d'ailleurs. En tout cas, ça fait plaisir donc, de t'avoir directement dans cet Epic Royal Rumble. Alors que là, il est déjà en sale posture. Alors que là, le Fossoyeur qui prévoyait un choc slam, mais non, mais en fait, non. Oh, Usul qui a éliminé The Fantasio 974, qui est parti donc directement pour aller me tourner un nouvel épisode des. De la fabuleuse épopée d'Alfredo Cifredi dans les Sims 4. Merci The Fantasio 974. Moi-même, je suis un grand amoureux de tes vidéos. Ça m'a fait plaisir de t'avoir dans cette Epic Royal Rumble.
Et oui, qui avait dit que Internet c'était uniquement des youtubeurs, des let's players, c'est également des web-séries de grande qualité, avec le visiteur du futur qui nous a fait un petit passage dans notre dimension, alors que Usul qui se fait sa deuxième élimination, élimine le Fossoyeur. Oh, une élimination, je pense, avec beaucoup de bon goût. Allez, hop, boum, le neckbreaker porté par Panda directement sur le visiteur du futur, sur Fleur de Rhin. Alors que là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Usul qui est tout seul dans son coin. Fanta éliminé, c'est Panda, qui est en train d'essayer d'éliminer Sylvester Lefort, alors que le visiteur du futur est aux prises directement avec, oh, magnifique baffe dans la tête du visiteur porté par Usul qui élimine tout le monde, hein, on l'a bien compris. Et Panda, oh, le set Panda, voilà comment un Montpellierin peut éliminer un Niçois. Panda qui élimine Sylvester Lefort, première petite surprise, alors que, oh voilà, l'homme que vous attendiez tant, les pics partenaires de ce manga, Christophe Ajuge, dans la team des commentateurs de AB. Philippe Chéreau, bien entendu, le Chéreau Shot, comme on disait au début de RTL9, qui suivent Christophe Ajuge et Philippe Chéreau depuis le début des années 2000, lorsqu'ils nous commentaient la WCW sur RTL9. Puis après, oh, le visiteur du futur éliminé par Usul, mais Usul élimine tout le monde, mais c'est pas possible. Alors que Philippe Chéreau va nous rejoindre, va tomber la veste, allez, tomber la veste, et attention, il nous prépare une entrée, oh, entrée fracassante, avec un magnifique neckbreaker portrait sur ce bon vieux Panda. Philippe Chéreau, Usul, 7 Panda. Hein, si ça, c'est pas de l'inédit, hein, je donne ma langue au chat. Allez, Usul, qui est l'homme en forme, Usul, dans cet épique Royal Rumble des internets. 3 éliminations déjà à son actif. Et là, il est parti pour pousser, il vient pousser à fond la caisse pour éliminer Panda. Et Philippe Chéreau qui vient lui prêter main forte. Oh, Panda, ça va être compliqué, le sad Panda qui va peut-être faire juste un aller simple pour direction les vestiaires. Oh, malheureusement, élimination du sad Panda. En tout cas, bon, ça m'aura fait très plaisir d'avoir Panda, l'homme sans qui les... Oh. Oh bah j'ai pas pu finir ce que je voulais dire sur cette Panda, parce que voilà, là on rentre dans le vif du sujet, le danger est plus que présent. Dean Ambrose, digne représentant de The Shield, qui arrive et débarque à la 17ème position dans cet épique Royal Rumble des internets, où comme je vous l'ai dit, des catcheurs de la WWE ont été invités, ou se sont invités, vous aurez qu'à revoir les teasers lorsqu'ils ont annoncé leur participation à cet épique Royal Rumble des internets. Dean Ambrose, premier représentant de la WWE à intégrer directement ce Royal Rumble. J'aurais pu dire Sylvester Lefort également, mais c'est pour d'autres raisons, et plus c'est un personnage créé, donc vous l'aurez compris. Allez, Usul qui passait totalement à travers tout le monde, incroyable. Alors que Philippe Chéreau qui est passé par-dessus la troisième corde, mais il se retient la corde, alors que Dean Ambrose essaye de le pousser. Usul qui s'en fout, Usul qui laisse faire, Usul qui se dit, moi, les éliminations c'est pour moi, je ne sais pas s'il a prévu d'en faire 36 ou 15, hein, des éliminations, mais en tout cas, c'est parti. Ah ! Oh, amis de Cécil Catch, les sauces sérieuses démarrent ! Ça y est, j'intègre directement l'épique Royal Rumble des internets. Oh, Sturi dans la place, c'est ça le catch, c'est parti. Allez hop, directement neckbreaker porté sur Usul. Oh là, 18ème place, c'est une bonne place alors que, oh là, Dean Ambrose. Oh, la magnifique descente du coup de la manière de Macho Man. Randy Savage, oh yeah, dig it. Ah, ça fait plaisir, Dean Ambrose qui porte cette magnifique descente du coude. Sturi qui écrase la tête de Philippe Chéreau, c'est le duel infâme des Philippe, avec la magnifique corde à linge de Sturi. Oh, et Philippe Chéreau qui revient directement sur Sturi en lui portant directement une backdrop magnifiquement portée. La technique qui passe totalement dans le vent, la droite. Oh, on se met à deux sur Philippe Chéreau, oui, il s'en sort. Philippe Chéreau, main co-kick porté sur Usul. Va falloir se méfier d'Usul, hein, Sturi, puisque là pour l'instant il est chaud patate, il est chaud comme une bouillotte. Alors que, attention, oh là là. Lui qui a déclaré la guerre aux youtubeurs en leur disant que sans leurs abonnés, ils ne seraient rien, ils ne méritaient pas de rester et d'intégrer directement l'épique Royal Rumble des internets. Il est là pour semer le terreur, le chaos, et oh, ça va prendre directement une autre tournure, hein, cet épique Royal Rumble des internets. 4 hommes pour l'instant sont dans ce ring, ils seront joints par ce 5ème Bray Wyatt, Usul, Sturi, Dean Ambrose, Philippe Chéreau, toujours rien, Philippe Chéreau, là qui est en train d'être poussé par Dean Ambrose, et Sturi qui s'en prend directement à YouTube, enfin YouTube, à Bray Wyatt pour sauver YouTube. Il s'en prend pas à YouTube, enfin, je vais pas m'en prendre à YouTube, enfin, j'héberge mes vidéos sur YouTube.
Ah, magnifique dropkick porté par Sturi directement sur Usul, alors que Bray Wyatt qui repasse derrière Sturi. Sturi qui est à l'arrière de Bray Wyatt. Attention pour les épiques. Pick à breaker. Oh, pop. Bray Wyatt qui va faire juste un aller simple. Direction directement le fond de sa cage où il n'y a pas de lumière. Attention Sturi. Sturi pour projeter directement. Oh. Alors que voici une icône de YouTube, le joueur du grenier, probablement un des favoris pour remporter cet Epic Royal Rumble des internets, le joueur du grenier qui arrive, et Bray Wyatt qui est éliminé. Eh oui, tu n'auras pas remporté la guerre contre YouTube, Bray Wyatt, internet est sauvé, alors que Philippe Chiaro, qui élimine Dean Ambrose. Oh, la hiérarchie est établie, internet a pris le contrôle sur la WWE, Sturi, Usul, Philippe Chiaro. Le joueur du grenier, alors que Sturi a essayé d'éliminer Usul, et Philippe Chiaro qui est aux prises avec une légende d'internet, le joueur du grenier. Oh, et Sturi qui élimine Usul. Ah, Usul qui aura 4 éliminations à son actif et qui aura fait tout un programme, toute une belle représentation sur cet épique Royal Rumble des internets. Oh, voilà. Et là, on est rendu donc désormais à 3h. Sturi, le joueur du grenier qui vole dans les airs, et Philippe Chiaro qui est tranquille dans son coin. Allez. Oh, en tout cas, c'est bien parti. Hein, cet Epic Royal Rumble, là, on commence. On est au deuxième tiers. On a fait les deux tiers là, du Royal Rumble. On a déjà 20 participants intégrés dans le Royal Rumble. Alors que Philippe Chiaro est en difficulté. Philippe, je sais où tu te caches. Aïe. Philippe Chiaro est éliminé. Le Mexicano-Maori champion des États-Unis. C'est normal en Russie. Ah, le bon vieux Rousseff qui est donc le cinquième catcheur invité de la WWE à participer à cet Epic Royal Rumble. C'est la surprise. Rousseff, si vous suivez mon épique carrière sur le mode de ma carrière de WWE 2K15, vous saurez que j'ai des différends avec ce bon vieux Alexandre Rousseff. Oh, qui est venu seul, pas accompagné de Lana. Il a décidé à agir comme un grand garçon. Et là, il vient me porter. Putain, oh là là, Total Advantage porté par le bon vieux Rousseff. Alors que le joueur du grenier passe à l'arrière. Le joueur du grenier qui est projeté directement par Rousseff. Oh, ça va être un client sérieux, le Rousseff. Oh, et les catcheurs de la WWE qui font éruption dans cet Epic Royal Rumble. Roman Reigns, deuxième représentant du Shield, a intégré directement cet Epic Royal Rumble, qui arrive directement et qui porte une corde à linge pour casser la prise de Sturi. Oh, manchette à l'européenne portée par le joueur du grenier directement sur Rousseff. Sturi est aux prises avec Roman Reigns. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, magnifique, le joueur du grenier, magnifique corde à linge à l'arrière du crâne là, de Rousseff. Ouais, joueur du grenier qui, je ne pense, n'est pas un grand amateur de l'humour russe. Il est plus amateur de l'humour German suplex, comme en témoigne celle qui vient de parfaitement porter. Attention, Sturi, The Eye of the Hurricane. Oh, magnifiquement porté par Sturi sur le joueur du grenier, alors que Rousseff et Roman Reigns en découvrent. Oh, attention, sur un deuxième corps, Sturi pour un épique. J'ai fini défaite foraine, mais non. Oh, numéro 23, League the Sun. Oh, ça fait plaisir d'avoir un autre amateur de catch. Et oui, démasqué également, Link the Sun, qui, si vous ne le saviez pas, avant de faire le poids culture, était membre d'une IFED sur les forums. Donc un fan de catch, je n'en doute point. D'ailleurs, je lui réclame, je lui lance un message s'il regarde cette vidéo, à quand un point culture sur le catch. On en aurait bien besoin. Et voilà, Link the Sun, par contre... Pas de point culture sur le catch pour l'instant, c'est directement projection de Sturi dans le coin et on tente de l'éliminer, alors que de son côté, le joueur du grenier est aux prises avec Rousseff et Roman Reigns. Ah, Roman Reigns qui... tiens, Roman Reigns qui s'en prend à Rousseff, très bien, entretuez-vous, entre-éliminez-vous si vous le souhaitez, alors que Sturi, magnifique, vertical souplex porté sur ligne de scène. Direction, projection et corde du joueur du grenier. Ça devient un peu confus. Et attention, un nouveau participant va arriver. Donc 4, 3, 2, 1. Oh, double souplesse. Oh, c'est Seth Rollins. Oh, The Shield qui est désormais au complet avec l'arrivée de Seth Rollins. Oh, voilà. Alors là, c'est parti. Là, il va y avoir une grosse opposition puisque d'un côté, nous avons trois superstars de la WWE. Rousseff, Roman Reigns et Seth Rollins. De l'autre côté, Link the Sun, le joueur du grenier, et Sturi.
Là, Internet va-t-il prendre le contrôle sur la WWE? On en est à 1-0 au niveau des manches. Ils ont réussi à faire tout à l'heure maison nette. Mais attention, Sturi, le Phoenix Driver porté sur Seth Rollins. Alors que Roman Reigns élimine Rousseff. Ils auraient mieux fait de s'allier, mais bon, allez, c'est pas grave. Vous pouvez vous entretuer entre vous. C'est très bien, ça nous arrange. Rousseff, direction la Russie, direction le mode ma carrière de WWE 2K15, où tu seras le bienvenu pour une revanche. Allez. Roman Reigns là qui est directement en train de balancer Sturi comme un vulgaire sac. Et là pas d'amitié entre les membres de The Shield, comme le disait Raymond Rougeau et Edouard Carpentier dans un Royal Rumble. Il n'y a pas d'amitié qui tienne, c'est chacun pour soi. Roman Reigns est en train de s'en prendre à Seth Rollins. Oh là là, alors que le joueur du grenier là qui est en train de prendre l'ascendant, je pense, sur l'île de Sun. Sturi qui vient s'en mêler là-bas derrière sur cette Rollins, projection dans le coin du ring. Et oh, la corde à linge, elle était pas belle cette corde à linge, alors que Link the Sun s'en sort parfaitement bien sur le joueur du grenier. Je ne sais plus où donner de la tête. Allez, projection directement. Neckbreaker, oh, belly to belly, pack souplex porté par. Le Salmon Drop de Roman Reigns sur Sturi. Attention, projection dans les cordes, là c'est Link the Sun qui passe au-dessus de la troisième corde. Et attention, Seth Rollins qui est en train d'éliminer Link the Sun, alors que le joueur du grenier, oh, il aura pas pu sauver Link the Sun. Seth Rollins élimine le point culture. Malheureusement, je pense que Seth Rollins est. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est déjà vu! Mathieu Sauvé qui revient une deuxième fois dans cette Epic Royal Rumble alors que Sturi vient d'éliminer Roman Reigns. Mais qu'est-ce que fait Mathieu Sauvé pour la deuxième fois dans cette Epic Royal Rumble des internets? Il a juste changé de tenue, mais il est totalement schizophrène ce garçon. Il a plusieurs facettes, il a plusieurs cordes à son arc, il avait une stratégie. Il revient une deuxième fois dans cette Epic Royal Rumble, c'est incroyable ce qui vient de se passer, mesdames, messieurs. Dans cette Epic Royal Rumble des internets, nous avons assisté à notre premier gros troll de la soirée. Allez, là, le joueur du grenier qui balance directement Seth Rollins au-dessus de la troisième corde. Ça va être compliqué, il va falloir le garder, Seth Rollins, c'est le pousser. Le joueur du grenier, malheureusement, il peut mettre toute l'énergie qu'il souhaite. Alors, Seth Rollins, c'est plus fort, il revient. Sturi à l'arrière porte un magnifique écrase-bras, on va dire, directement sur Mathieu Sauvé, sur la troisième corde, la deuxième pour un epic finish des fêtes foraines. Mais encore une fois, personne à la réception. Attention. Oh, Seth Rollins qui est en grosse difficulté alors qu'un nouvel arrivant. Ah non. Mais comment il fait ça? Il y a deux, trois, c'est le troisième Mathieu Sauvé qui arrive directement pour saluer les geeks dans cet Epic Royal Rumble alors qu'il y en a déjà un dans le ring. Mais c'est incroyable, Et ils sont combien comme ça? Il va y encore avoir le panda derrière, le prof. Oh, mais c'est pas possible. Sturi qui projette directement Seth Rollins. Il y a deux Mathieu Sauvé. C'est devenu totalement fou. Cet Epic Royal Rumble des internets. Attention, alors que Sturi là est en train d'éliminer Seth Rollins. Seth Rollins est éliminé. Il n'y a plus de superstar de la WWE dans cet Epic Royal Rumble des internets. Il reste juste Mathieu Sauvé, Sturi et le joueur du gold. Allez, Sturi là, il va falloir en éliminer au moins des deux. En virer au moins un des deux. Ah, malheureusement, non. Ah, le contre, le magnifique contre, la portée. Bon, attention, là, le joueur du grenier en difficulté. Bon, attention, backbreaker, atomic drop, c'était une symbiose parfaite. Oh, petite surprise et petit coup de cœur personnel pour et Pierre, pour tous ceux qui aiment jouer à Minecraft. Ça va tuer du Patrick dans, pour cette fin de Royal Rumble. En plus, et Pierre qui porte le numéro chanceux des Royal Rumble, il porte le numéro 27. Comme vous le savez, énormément de catcheurs ont remporté les Royal Rumble en portant le numéro 27, en espérant que ça porte chance à Pierre. Et Mathieu Sauvé qui élimine Mathieu Sauvé. Mais ça devient totalement incroyable cet Epic Royal Rumble. Ouais, il reste plus qu'à Mathieu Sauvé et Pierre Sturi, le joueur du grenier, et il y a encore trois participants qui doivent intégrer cet Epic Royal Rumble. En tout cas, la victoire se dessine pour, en tout cas, déjà l'un de ces quatre hommes et les trois suivants qui rentreront juste après ça. Allez, il en reste 8 secondes, 7, 6, 5, on n'a pas encore fait de décompte, et pick and breaker, 2, 1, hop, qui va être le suivant? Benzaï arrive directement en mode Hard Corner. Salut les loustiques. Allez, on est parti. Là, et Pierre qui projette directement
par Story. Magie du montage avec le petit coupure de la PlayStation 4, mais c'est pas grave. Oh, Banzai qui attaque directement, donc cet Epic Royal Rumble, très bien placé Banzai. Alors que là, Story face au joueur de Gorilla. Banzai et on a deux mecs en bleu, on dirait les schtroumpfs. Allez, Banzai qui projette directement Epic par-dessus la troisième corde. Non, il reste accroché, Story qui se projette, boum! Oh, l'écrase-face de Story directement à la mâchoire du joueur du grenier qui a volé là-bas, je vois, au troisième rang. Alors que, oh, magnifique Tornado Reverse DDT porté par Banzai sur Story. Et attention, Mathieu Sommet qui va se faire éliminer par les pierres. Oh, ce serait quand même épique, il est rentré trois fois et se fait éliminer. Oh, oh, il aurait pu rentrer 30ème. Le boss final des internets, Antoine Daniel. Ah, et ben voilà, là, ça va se décider, ça va se jouer, alors que Mathieu Sommet s'est fait malheureusement éliminer. Il y a trois entrées dans le Rumble et malheureusement aucune d'entre elles ne sera suffisante pour le remporter. Antoine Daniel qui est directement aux prises avec le joueur du grenier, alors que et Pierre et Banzai sont ensemble. Le magnifique bras à la volée porté par Story sur Antoine Daniel. Attention, joueur du grenier, et Pierre qui revient là-bas derrière, joueur du grenier sur Story qui résiste, boum, oh, magnifique, coup d'épaule directement dans le vide du joueur du grenier, alors que, oh, Antoine Daniel qui aurait pu peut-être faire un passage éclair dans cet Epic Royal Rumble, le joueur du grenier en difficulté, Antoine Daniel qui doit résister contre son faux frère, hein, Benjamin Daniel, Banzai, et Pierre. Attention, on sait qui est le numéro 30, parce qu'il a eu ce privilège d'être le numéro 30, puisqu'il avait gagné l'épique Money in the Bank Ladder Match. C'est Sébastien, l'acolyte du joueur du grenier, qui rentrera à la 30ème place. Là, je vous ai spoilé, mais en même temps, pop, comme le dirait Antoine Daniel à l'instant. On s'en fout, allez. Bon, les Daniel là qui se mettent à deux du coup directement sur Story. Alors que là, boum, le joueur du grenier, boum, voilà le numéro 30. Sam du grenier qui a le meilleur numéro pour entrer dans cet Epic Royal Rumble. Il avait gagné la mallette, il rentre à la 30ème place de cet Epic Royal Rumble des internets. Oh, et ben voilà, le favori désigné en tout cas pour remporter cet Epic Royal Rumble. Ils ne sont plus que 6 dans cet Epic Royal Rumble. Pour vous résumer les forces en présence, Benzai, le joueur du grenier Seb, Antoine Daniel et Pierre et Stur. Allez. Oh là, attention, ça commence à être un peu confus, magnifique corde à linge à l'arrière de la nuque de Story sur Antoine Daniel, alors que là, Banzai est en difficulté, avec Seb qui essaye de le pousser, Seb qui essaye d'éliminer Banzai, oh Banzai en grosse difficulté, Banzai, il va falloir, oui il résiste le Banzai, alors que là, attention, le joueur du grenier, Fallow Slam porté sur Antoine Daniel, Story aux prises avec Epi, oh, Pinebuster porté par Seb sur Banzai, Joe Breaker à l'instant du joueur du grenier sur Antoine Daniel. Oh, magnifique, la backdrop, alors que derrière le Giant Swing, il y a tellement de choses à l'écran, j'en perds mes moyens, j'en perds la manette, je perds tout ce qu'il y a à perdre, et il ne reste plus que 6 participants dans cet épique Royal Rumble des internets. Le vainqueur futur, ne le cherchez plus, il fait partie de ces 6 hommes, il n'y aura pas de renversement de situation possible, l'un de ces 6 hommes remportera l'épique Royal Rumble des internets. Allez. Oh. Attention, hein. Banzai là aux prises directement avec Seb du grenier. Là, on a créé des couples indirectement. Story avec Antoine Daniel. Allez, vas-y Story là qui est prêt à jouer Antoine Daniel. Un coup, un rigodon du violonneur Ronald. Voilà, comme ça s'est fait. Attention. Et Pierre qui projette le joueur du grenier alors que Banzai en grosse difficulté. Oh, magnifique reverse hurricane runner porté par Pierre sur le joueur du grenier. Et Banzai éliminé par le joueur, Seb du grenier, au plus grand plaisir apparemment d'Antoine Daniel qui sera le seul Daniel à rester directement dans cette épique Royal Rumble. Les Atemi de Story dans le coin là, qui essaye d'éliminer Seb du grenier. Fallow Slam à nouveau porté par le joueur du grenier sur Antoine Daniel. Attention, et Pierre qui lui par contre fout des coups de pied à l'arrière du joueur du grenier. Story est aux prises avec Seb. Antoine Daniel n'a pas d'amis, il n'y a personne qui s'occupe de lui. Ouais, il vient aider probablement. Non, il laisse faire tout seul. Il en a rien à foutre, Antoine Daniel. C'est bien aidé quand même. Alors que Story est sur la deuxième corde. Non, toujours pas de ces épic finish des fêtes foraines pour l'instant dans cet épique Royal Rumble des internets. Encore une corde à linge directement portée dans le dos. Et boum! Oh, le joueur du grenier éliminé par Épierre.
et Antoine Daniel. Ça faisait longtemps qu'il était là, le joueur du grenier. Et l'épique finish, défaite Forel par Sturie. Oh, j'ai failli le louper, mais je ne l'ai pas loupé. Porté sur Serbe du grenier. Avec attention, la position de Souplex Pilot Driver. Abunaï, 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 Abunaï. Et Serbe du grenier qui est totalement amorphe sur le ring. Allez, et Pierre, c'est la surprise hein, parmi le carré final de cette épique Royal Rumble des internets. Antoine Daniel, Seb du grenier. Hop, on est parti, on est bien, on est frais. Sturie qui va nous la faire à la Shawn Michaels, Heartbreaker. Wow, et qui repasse au-dessus de la troisième corde pour éviter de se faire éliminer. Sturie et Pierre, alors que la magnifique Pumpalol Drop portée par Antoine Daniel sur Seb du grenier. Oh là là là, et Pierre en difficulté, Pierre en difficulté, va-t-il se faire éliminer par Seb du grenier alors que là Antoine Daniel porte une magnifique, oh, backdrop, et Pierre éliminé, oh, ce ne sera pas lui le dernier survivant du kill de Patrick. Pour les amateurs de Minecraft, si vous ne laissez pas Pierre, en tout cas allez faire un tour sur sa chaîne. Voilà un hardcore gamer comme je les aime sur Minecraft, qui nous réalise des constructions totalement fabuleuses en redstone. Bon, là on parle de catch, voyons, on parle de catch, on a plus que 3 hommes dans le ring, et parmi ces 3 hommes, le potentiel vainqueur de l'épique Royal Rumble des internets, et Sturie pour la deuxième fois qui nous fait une Shawn Michaels pour remonter au-dessus des cordes. Ouais, mais du coup il est totalement imité par Antoine Daniel qui va nous faire exactement la même. Allez, Sturie, il acquitte plus d'un bon coup de genou Seb du grenier, qui l'envoie directement dans le coin. Oh, le grenier est pas content. Seb là qui essaye. Oh, il essaye directement de projeter Sturie, là, le faire glisser en dessous de la corde. Ce serait suffisant pour pouvoir l'éliminer. Antoine Daniel qui vient casser la prise, qui vient sauver Sturie. Aurait-il des intérêts? Je ne sais guère. Autant s'allier directement Antoine Daniel et Sturie pour essayer d'éliminer Seb du grenier qui a été désigné favori de cette épique Royal Rumble des internets. Allez. Directement, projection, on projette 7 du grenier au-dessus de la troisième corde. Sturie qui se retourne directement contre Antoine Daniel. Oh, attention, ah, désormais ouais, ça commence à être un petit peu brouillon, on ne sait pas avec qui s'allier. Bon, ils vont se mettre à deux, non, cette fois-ci Sturie vient en aide au 7 du grenier, décidément. Les alliances se font et se défont, se nouent et se dénouent. Antoine Daniel en difficulté, Antoine Daniel, attention. Oh, là, je ne sais pas. Seb du grenier, victime d'un bug, qui se retrouve assis sur la deuxième, sur la première corde. Magnifique dropkick de Sturie porté sur Antoine Daniel. Attention, ça commence à devenir serré. Là, Sturie, oh, Sturie qui a une évasion. Faut faire ton évasion, Sturie. Attention. Sinon là, c'est. Oh, je pense. Bon, ça va. Il s'en sort. Seb du grenier qui passe derrière. Oh, projection au-dessus de la troisième corde. Attention à Seb qui va essayer d'éliminer Antoine Daniel. Sturie qui laisse faire, Sturie qui n'intervient pas. C'est peut-être la finale déclarée. Il balance à tournoi pour envoyer le par-dessus la troisième corde. Et non, Antoine Daniel résiste. Il résiste, il prouve qu'il existe. Et hop, directement un magnifique bras à la volée pour le ramener directement au sol. Allez, Seb là, position de souplesse arrière. Oh, la standing vertical suplex portée par Seb du grenier sur le bon vieux Antoine Daniel. Allez, projection dans les cordes à nouveau. Ah, est-ce qu'il va l'éliminer? Est-ce qu'il va savoir le pousser? Sturie qui n'intervient pas, il va vous mettre un coup de poing, mais c'est dans le vent. Et Antoine Daniel est éliminé. Ah, il aura résisté, mais malheureusement pas assez suffisant. Il peut retourner directement dans sa chambre, retrouver Samuel et Richard pour nous préparer l'épisode de What the Cut, en prenant moins de retard, s'il vous plaît, la prochaine fois, merci. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de travail, et je le remercie pour ces vidéos qui sont totalement délirantes et totalement givrées et barrées. Allez, Sturie, Seb du grenier, la finale. On va le terminer. On va pas se gêner pour devenir le numéro 1. Et voilà, c'est fait. Mais non, Sturie, retourne-toi. Seb du grenier n'est pas encore éliminé, là. Il a réussi à s'agripper à la corde. Et attention, projection, souplesse arrière. Fisherman souplex porté par Seb du grenier qui résiste à lui également. Attention, oh, ça va faire du mal. Le magnifique Salwell Slam porté par Seb du grenier là sur Sturie, là, qui est totalement ravagé, le corps totalement endolori, le corps totalement meurtri, là, le bon coup de pied. Voilà, là, l'un de ces deux hommes remportera l'épique Royal Rumble des internets. Faites votre choix, faites votre préférence. Je suis à la manette. Attention.
Asturi qui avait encore une évasion pour s'en sortir. Les coups de pied enchaîné. La bonne droite. Le bon bourre pif dans ta face. Oh, c'est contré. Bourre pif de Seb du Grenier. La projection directement dans le coin. Allez, Asturi. Magnifique drop kick. On est prêt. On est prêt pour une spéciale botte dans ta face. C'est parti, Asturi. Envoyez la mâchoire de Seb du Grenier qui a volé jusqu'aux Philippines directement pour l'envoyer directement après par-dessus à troisième corps. Asturi, Asturi en position. En position de, à nouveau. Vertical souplex. Oh, décidément, c'est le Royal Rumble de la souplex aujourd'hui. Asturi, Asturi qui est prêt pour le finish. Qui est prêt pour le finish. Qui demande à Seb du Grenier de se relever. Mais attention, qu'est-ce qu'il va nous faire, Asturi? Qu'est-ce qu'il va nous faire pour terminer Seb du Grenier? Oh, attention, le coup d'appel, penalty. Et putain pour Asturi directement sur les youtubeurs d'internet. Et direction la deuxième corde pour, attention, les pics. Finish défaite pour Adam. C'est esquivé par Seb du Grenier qui aura été plus habile. Asturi qui aura peut-être perdu un peu trop de temps à monter sur cette deuxième corde pour un épique finish des Fêtes Foraines qui aura été esquivé. Et attention, Seb du Grenier qui en profite. Seb du Grenier qui en profite. Oh, élimination! Et le victoire, la victoire, l'épique vainqueur de ce Royal Rumble des internets. Seb du Grenier qui est venu à bout de Asturi et de sa suffisance après cette magnifique esquive du finish des Fêtes Foraines. Seb du Grenier, après avoir remporté la mallette du Money in the Bank, il remporte désormais l'épique Royal Rumble des internets. Oh, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette épique Royal Rumble des internets. N'hésitez pas à partager, à commenter cette vidéo. On se retrouve prochainement pour les nouveaux épisodes du Mode Ma Carrière sur WW2K15. Ne loupez pas le Royal Rumble ce 25 janvier sur AB1. Salut à tous, c'était Asturi. Bisous à tous.